coup la porte s'ouvre. Je sais pas pourquoi cette nuit je la sens pas. C'est clair. Je sens qu'on va déserter avant la fin de la nuit. Tu dois réviser ce soir encore quoi? Bah ouais. Un peu quoi. Tu commences déjà à réviser tes cours? Bah tu sais, faut que je fasse au fur et à mesure. Hein. Comme la vie. Enfin tu sais que je revois ce que j'ai fait aujourd'hui quoi. Une couette pour les pieds. Et une couette pour la tête. Sèche-cheveux. Tu redeviens sauvage, j'ai l'impression, tu vois. Hein? C'est comme si on t'avait relâché dans la nature, à Madame Dodo. J'ai fait de l'ethnologie politique aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, la première fois j'en sais. C'est marrant, Madame Dodo. Ouais. En cours de deuxième année ou première année? Deuxième année. Ah ouais, tu vas en cours de deuxième année? Ouais. Tu veux y aller? Non. Non. C'était sympa? Ouais, sinon c'est un prof que j'aime bien. Oui. C'est... Bah oui. Ça va, tu veux pas que je monte la lumière, Madame Doun? On va aller voir la mairie pour qu'ils mettent les néons un peu plus forts. Voilà. Alors aujourd'hui, on vient dire au CROUS et aussi aux étudiants que vous êtes, puisque là vous venez pour des prestations du CROUS, dire qu'il y a encore des étudiants qui sont dans la galère, alors qu'il y a les cours ont commencé. Donc là, on est mi-octobre, il y a encore des centaines d'étudiants qui sont soit en auberge de jeunesse, soit qui dorment à l'hôtel, soit chez des amis, qui essayent de se débrouiller à droite à gauche parce qu'il n'y a pas assez de logement social aujourd'hui sur Montpellier. Vous comprenez que nous, on a des situations d'urgence qui sont derrière la porte là, du bureau où je suis et qu'il faut qu'on règle, point à la ligne. Voilà. D'accord. D'accord. Mais ok, mais déjà on va attendre les réponses de tous ces organismes. Oui, mais on les quittera les locaux tôt ou tard, vous le savez très bien. Ben voilà, il est furieux. C'est normal, hein. De toute façon on vient d'envoyer le CROUS. Moi je lui ai dit que nous on avait des étudiants qui étaient dans des situations vraiment en galère, il fallait trouver. Il dit j'en ai conscience, on fait tout ce qu'il y a à notre pouvoir. Mais j'ai fait appeler la préfecture. Appeler les offices HLM, etc. Et puis on va trouver une solution d'ici la fin de la journée. Pas de violence. Hein. Mais non, mais même si eux ils tapent, il faut les laisser taper le premier. Nous on est là, on est les gentils, j'allais dire. Ben ouais, mais bon. Ouais. Voilà la situation. Donc pour l'instant, la préfecture n'a pas rappelé et il n'y a pas de délégation à la préfecture. Donc maintenant, c'est tous ensemble qu'on va décider ce qu'il faut faire. Il y a deux solutions où on peut mettre des tentes sur la fac. Maintenant. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont dormir dans les tentes? Moi, personnellement, je dormirais si je viens sur. 40 étudiants qui ont dormi sur une pelouse de fac avec des tentes. Et tu vois dans quel siècle on est là? C'est des trucs de fou quoi. Les mecs, ils sortent de la tente, il fait sa popote, il va en cours à l'amphia, il revient. Je crois que le plan de gymnase, c'est un bon plan. Le gymnase, t'as des douches et tout à côté, c'est quand même autre chose que. Il est 16h, ils veulent fermer là, hein, sur une porte. Ils peuvent pas nous enfermer. Non, mais ceux qui veulent partir, ils partent. Moi, je reste de toute façon. Tiens, vas-y, tu fais du chauffe-cœur. Tu sais lesquels c'est? Oui.
mets-le en sorte qu'on puisse s'asseoir, c'est tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Des couvertures floues au fond. Et tu sais, ça, tu le replies juste, ça, de façon de canapé, quoi. Un dando. Plié en deux, comme ça. Ce matin au collège et tout, alors pas trop dur la nuit. Ouais. Ah ouais, bah tous, tu parles, ils étaient gelés. Moi, j'ai mis 2 heures avant de me réchauffer, quoi. Mmh. Je savais, j'étais littéralement congelé, quoi. Tu vois, je suis allée ce matin au logement, là. Quand au moment où j'ai dit qu'on dormait dehors, tu vois, elle a dit, enfin, tu sais, c'était limite, et vous prenez votre douche où? C'est à la CTU, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais t'es vraiment con, hein. Ouais, mais c'est clair. Et après, quand elle a appelé, en fait, il y avait des chambres disponibles que pour la semaine d'après, tu vois. En fait, alors tu sais, c'est censé être des logements vraiment d'urgence et tout. Ouais. Et là, je vais les voir ce matin, ils me disent c'est pas disponible avant la fin du mois, quoi. Donc tu vois, je sens que ça se repousse. Et, en fait, c'est chiant, quoi. Tout le temps dans cette instabilité, quoi. Et depuis 2 mois, on va y voir René après. La Nazonne, non? Ouais. Tu veux faire quoi? Bah, si, ouais, on peut aller voir René, il fait trop froid là. T'as vraiment froid, toi? Bah, t'es gelé, quoi. Bah, c'est clair. René ? Ouais, c'est pas marrant pour le moment. Tu l'oublies ou tu l'appelles ? Bah, je l'appelle, mais il a pas son forfait truc là. Ah putain, il saoule. Je sais pas où il est, il doit être chez l'autre du jus là. Mmh. Ah, il y a Hicham sinon. Ouais, René, c'est Bruno. T'es où là? T'arrives à la cité? T'es ici d'ici combien de temps? Tu sais, j'aurais bien aimé prendre une douche. Ok, ouais, bon, allez, à toutes. Ciao. Je sais pas ce qu'il faut, ce buzz là. T'as pas dit 20 minutes, il était quelle heure? Quand on arrive à se coucher avant le matin, quoi. T'as entendu que hier ils sont descendus à moins 3 degrés et tout? Moins 3? Ouais. T'as un record, quoi. Je suis résistant. Non, mais c'est vrai, c'est matin. Chaud. Bah, t'as moi à 5h du matin, j'en pouvais plus. Ah, j'étais tout cuit, quoi, tu vois. Ouais, mais j'imaginais pas te revoir aujourd'hui, franchement. Ouais. Tu vois, ils nous ont mis le chauffage, même nous ici à la cité, donc c'est pour te dire. Ouais, ça n'a pas duré 10 000 ans, cette histoire. Bon, bah, les gars. Ouais, tout à fait. On va laisser la pioncer, quoi. Ouais, tranquille, quoi. Ouais, bah, tu sais, à l'aise, tu vois. À l'aise, comme ça. J'espère bien dormir, tu vois. Tu fermes les yeux, quoi. T'espères une chose, c'est rouvrir les yeux, tu vois. C'est le doute, quoi. Enfin, bon. Non, si tu veux, tu devrais te mettre une cafrole chaude et l'ouvrir dans le camion. Une bouillotte, ouais. Ouais, bon, les gars. Ouais. Ben, adieu, hein. Non, pas adieu. Adieu, à bientôt. T'es pas encore moins 10, mec. Adieu, ouais. C'est à moins 10 que tu te diras. Ok, c'est cool. Bon, bah, à tout, hein. Ouais, bonne nuit. Ah, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Bonsoir. Votre train de demeure. Voilà. Ouais, c'est la classe. Donc, c'est le camion dans lequel vous habitez. Ouais. Aussi. Un grand lit. Ouais, c'est un petit lit douillet. On a bientôt le frigo. Et la lumière froid, là. Si, il commence à faire froid. Si, ouais, il y a une nuit. Ouais, des fois, on s'y attend pas, en fait. C'est quand il y a des changements de température. En fait, moi, je devais être pris en CTU. Et... Ah ouais, tu devrais être pris en CTU. Mais ouais. Pourquoi t'as pas été pris? Et j'ai pas rendu mon badge de parking. C'est juste l'histoire du badge, ouais. Bah, disons qu'avant, en fait, j'avais eu une petite pression, mais bon, j'étais pas viré des CTU. Ouais. Et c'est au dernier moment que je me fais virer pour une histoire de badge. Quoi, à la fin. Je lui ai dit, je dors dans le camion, ouais, venez voir si vous voulez voir. Les pouvoirs publics, ils en ont rien à foutre. Ah. La région, l'aglo, fraîche, tout ça, ils en ont rien à foutre. Puis tu es toi. J'ai déjà mon camion. Et en plus, tu votes même pas ici. Voilà. Donc voilà. Tu es même plus. Si tu es en Ardèche, tu votes en Ardèche. Donc, tu voilà. C'est pas intéressant. J'espère que ça va s'arranger parce que c'est clair, c'est fatigant, ça rend nerveux. Demain, on t'appelle et il y aura deux camarades du syndicat et on ira voir Madame Bon aussi. Au moins, te débloquer ta cité. En plus, t'es vraiment sympa. Cool. Ouais. De toute façon, il faut faire pression. C'est pas... Ok, ça marche. Ouais. Allez, ciao. Allez, ciao. Ciao.
Là, c'est la même. Essayez de tuer personne. Tu tiens le... Il n'y a pas de corde qui tire par là. Le directeur du cabinet du préfet nous a donc confirmé l'histoire des 40 chambres des offices HLM, des ACM. Ça a été débloqué aujourd'hui. Il ne pouvait pas le dire, lui, que c'était parce qu'il y a eu l'action Crous que ça a été débloqué. Mais on l'a bien compris. Le deuxième truc, ils nous ont parlé de 50 lits en chambre, sous forme de studio ou de chambre, au VVF à La Grande Motte. C'est quoi le VVF? Donc c'est bien, c'est sûr que c'est bien, mais on a dit qu'économiquement, il faut que ce soit viable et rentable pour l'étudiant. Parce que c'est loin dit que... Et puis il y a le problème du transport, donc on a souligné tout ça. Il y a 10 lits supplémentaires dans une résidence Active Air. Je sais pas où c'est. Donc ça ferait, donc ce soir, on aurait en plus... Donc ça nous ferait 85 et 4, 9, ça nous ferait 100 lits de plus. Cela dit, ça suffit pas. Il faut continuer la mobilisation maintenant. Voilà, est-ce que vous voyez autre chose à noter ? Non. Ok. Donc, clé remise. Entrée, chambre, une clé. Hall, une clé. Ok. Voilà. Donc, je vais vous donner ici le lieu, ici. Je vais vérifier ce que j'ai noté. Et là ? Par là. Et donc voilà, donc tu vas voir, c'est bien quoi, tu sais, ça a été repeint et tout. Ouais. Donc tu sais, c'est bien propre quoi. T'es contente? Tu vas mettre un canapé, t'as déjà réfléchi un peu comment t'allais disposer et tout? Bah non, pas trop quoi. Pas trop trop non. Je pense pour ça, faudrait que tu viennes, comme ça on verra ensemble. Bah je suis en train de faire quoi là? Pas d'un doute, je te parle trop durement. Oui. Ça t'énerve un peu quand même. L'office HLM. Juste là, alors je sais pas s'ils sont. Eh oh. Ah, d'accord, c'est... Bonjour, salut. Salut, ça va? Ça va bien. Ouais. Entrez. On va. On vient à l'improviste voir un peu ce que ça donne les apparts à la Stribless. Bah voilà. Salut, ça va? Je viens, ça va. Ah bah ouais, ouais, ça n'a rien à voir avec le camion. Ouais. Voilà, la spot c'est rien. On y est bien, c'est ça le truc. Mmh. Mmh. Donc voilà, donc il y a une petite pièce aussi. Et là vous êtes... Tu peux visiter tes lieux, Nadou? Voilà, d'accord. Mais bon, il n'y a pas encore de lumière. Il faut que j'appelle le DF et tout pour... T'as pas de la lumière encore? Non. Ah ouais. Il n'y a pas d'électricité quoi. Et là tu es rentré quand même? Tu l'as récupéré quand même? Je l'ai récupéré tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. D'accord. D'accord, mi-novembre. Voilà, mi-novembre, ouais. Et tu as commencé les cours quand? Bah j'ai commencé en septembre. En septembre, bon. Mmh. Donc 2 mois et demi de galère. Ouais.